Ok, salut tout le monde! Et bienvenue dans l'épisode 3 de La vie d'Albert, les aventures de Bébert le Dino. Bon bah ça reprend, hein. C'est bon, on a eu de la chance, il n'y avait personne autour du lac. Puis quand on a respawn, heureusement parce que je sais pas, le jeu a reset toutes mes touches. Donc ouais, c'est pas ouf. Je sais pas pourquoi il s'est passé ça, bref. Bon, en gros, bah, on continue, on va voir ce qui va se passer, hein, comme d'habitude. C'est pas trop, là pour l'instant il fait un peu nuit. Alors, bon, je suis à 72%, ok. 1880 kilos, voilà, je peux commencer à tanker un peu, quoi, vite fait. La vitesse, et ça se changera jamais, je pense. Dans tous les cas, je suis adulte. Bon, je vais mettre la vision comme ça parce que moi j'y vois rien là. En vrai. Et j'ai un peu faim. Et j'ai un poil faim, donc il va falloir que je graille. Ah ben voilà. Il y a quelque chose à griller là-bas. Donc on va aller le grailler. Tout simplement. Ben viens là, ouais, t'as raison. T'as raison, mon frère. On va aller vers le nord. On va commencer notre migration vers le nord, je pense. Parce que bah cette aventure, je pense, va bientôt toucher à sa fin, mine de rien. Donc il va falloir aller essayer de se pétave. Et vous... Là, par exemple, ça, là, ce bruit, vous avez entendu? Je sais pas ce que c'est ce bruit. J'entends en tout cas. Hein. Je vois rien. Vas-y, je suis gentil. N'aie pas peur. Je sais pas ce que c'était ce truc. Du coup. Ok, l'objectif, vous voyez là-bas, là. Twin Lake, ça fait un peu loin. Là, on n'est plus très loin de Titline Lake, du coup. Il commence à faire jour. Mais bon, là, on voit pas assez. Je vais laisser ça pour l'instant. Parce qu'en vrai, j'y vois pas grand chose moi non plus là. Donc pour l'instant, je reste comme ça. On s'approche de Titan Lake. On a fait à peu près ouais, la moitié du chemin. Un peu moins quand même. Un peu moins de la moitié. Mais c'est bien parce qu'il faut que je grandisse encore. En gros, j'ai quand même envie d'être full adulte. Parce que si je me bats pas full adulte, bah ça n'a pas trop de sens quoi. En voyant. Donc ouais. Go prendre son temps pour aller à Twin Lake. Surtout qu'à Twin Lake, je pense qu'il va y avoir des packs. Des gros packs. Moi j'aimerais bien essayer d'en choper sur la route des mecs isolés quoi. 424 de Bayfulls. Ça pique hein. Mais ça piquera, je pense, à son maximum que quand je serai full adulte parce que je dois pas avoir 424 en ce moment. Je dois être à moins je pense. Bim. Et avec ça je les déboîte. Je les déboîte vénère. Hein. Mets-toi en crouch. On sait jamais là, à côté de l'eau ça peut traîner vers ici. Au pire on arrive en embuscade, on l'éclate direct s'il y en a un qui campe, qui bouche le chemin. Après ça dépend ce que c'est quoi. Y a quelqu'un? Non, j'ai pas l'impression. T'es directement sur la gauche. Ouais. Pas l'impression qu'il y ait grand monde, mais en vrai ils sont où les gens sur le serveur là? Du coup. Oh là, il est tellement long à boire ce con. Tellement long à boire.
on n'est pas fou. En fait, je suis dans ma parano là. Je suis complètement dans ma parano. C'est jamais là derrière les bidons et tout, on va rester en couche pour l'instant. Non, voilà, c'est dangereux. Hein. Là, je suis cramé par toute la map. S'il y a du monde. Ah, j'ai une pensée suicidaire, les amis. J'ai vu. J'ai vu le précipice, je me suis dit pourquoi pas en finir. Mais combien sur le serveur? 106 et j'ai croisé personne, c'est quand même étonnant, non? Non, ouais, il est quand même rapide. Il est quand même rapide. Le bougre. Bon, on va continuer notre chemin jusqu'à Twins Lake. Hein? En espérant croiser des petits trucs qu'on peut tuer facilement. Je suis quand même pour 100. 77. Franchement, ça monte pas très vite. Hein. Il y a 3-4 heures de proc, je sais plus. 3 heures, je crois. Je sais plus. Et j'ai, comme je vous dis, hein, j'ai l'impression que ça fait 80 000 ans que je suis avec ce dinosaure. Sans exagérer, hein. Bref, avançons. On va aller là. Il y a de l'eau. J'ai soif. Comme d'hab. Il y a des allos aussi. Moi, du coup, je grandis au calme. Hein. Écoutez, on va passer par là. Ah, mais c'est au coin des raptors là, je reconnais. C'est Grid Rock ou je sais pas quoi là. Tower Rock, Grading Rock, Walling Rock, Fallen Rock. Un truc dans ce genre quoi. Bah bon, j'y étais là une fois, c'est pour ça que je dis ça. On a combien de pourcents? 79, vous voyez? Moyen, moyen. En vrai là ça fait 40 minutes que j'enregistre. En 40 minutes on a pris 3% je crois. J'abuse. 5. Enfin bon, quand même c'est pas énorme hein. On n'est pas fou, c'est pas énorme. Bon, bah go boire de l'eau, go fumer des allos. Et puis voilà, hein. Ça sera pas mal déjà. Ici c'est le coin des raptors du coup. Bon, c'est sur le monde perdu le coin des raptors. Je sais pas si c'est la même sur Azura. Mais vu qu'il y a aucune règle, s'il y a genre 15 raptors contre moi, je suis foutu. Hein. J'espère juste qu'il y en a pas. Dans tous les cas, c'est trop tard hein, déjà. On a pas l'air d'avoir full monde, écoute. On va se mettre comme ça quand même. On sait jamais. Je préfère mettre comme ça quand je suis à découvert. Là, si ça m'arrive dessus, j'ai capacité à disengage assez rapidement. C'est pas parce qu'on a vu personne qu'on n'est pas en train d'être vu par des personnes. Si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous voyez parce que c'est pas très compliqué. Bon, du coup, on aura fait un grand tour pour aller à Twins Lake. Ben, ça nous aura fait grandir un peu. Pas plus mal. Ah, mais c'est ici, je reconnais là. Je reconnais cet endroit. Mais ouais. C'est l'endroit où les raptors font des vols planés par là, là. Tout le monde connaît ça. Le raptor qui essaie d'apprendre à voler par ici. Là, dans ce trou. Ouais. Terrible. Bref. Par là-bas. Du coup, ouais, je suis quand même du bon côté. Je sais pas s'il va y avoir de l'eau après là. C'est quoi ce bruit là? Là, en face de moi, il y a un truc. Yo, petit T-Rex! Oh que non, moi je suis pas gentil, moi. Tu vas y passer, mon bro. Tu vas y passer.
Est-ce qu'on ferait pas du chaos gratuit, nous? Je crois bien, hein. Ok, ouais, je crois bien. Ouais, ça dégage. Vraiment pas. Ouais, ouais, ça dégage, bien sûr. Évidemment que ça dégage. Pourquoi on laisserait une T-Rex en vie? Aïe, 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 je crains le pire. Maintenant, j'espère qu'il n'y avait pas de potes. Parce qu'ici, en vrai, c'est un peu à découvert. Hein. Je vais pas pouvoir rester. Lol. Y'a personne d'autre là? Attention à vous. Hein. Bon, allez, on s'arrache. Faut que je trouve de l'eau là. Je crois pas qu'il y ait de l'eau vers là en fait, c'est ça le problème. Où est-ce que je peux me caler? Là? Vas-y, je vais checker si je trouve pas de l'eau quelque part. Du coup, je vous montre un peu le problème en fait de l'Albertosaure, qui est vraiment fatal. C'est qu'en fait, je suis ici. Voilà, petit point cartographique improvisé. Donc je suis ici, il y a de l'eau ici. Hein. Et en gros, moi, je vais aller vers Twins. Vers les Twins. La prochaine eau, c'est ici, Cargo Pound. Le problème, c'est qu'en fait, je suis sûr et certain qu'entre là et là, vraiment, je me mets à couper, je meurs de soif. Je meurs, genre. La mort. Et surtout, en fait, vu que je peux pas sentir, je sais pas, je serai pas trop me diriger. Donc ouais, je peux suivre la plage, mais si je suis la plage, ça sera encore plus long. Enfin, je coupe tout droit, forcément, la ligne droite est le chemin le plus court, bref. Donc en gros, en vrai de vrai, le seul endroit où je peux traverser, c'est ici. Faut que je remonte à Dumpspool et que je passe par North Flins. Enfin, que j'aille à North Flins. Parce que là, vraiment, je crains clairement pour ma vie, ça m'a l'air beaucoup trop loin, quoi. Surtout que je risque de me perdre. Bref, retour en jeu. Parce que c'est pas comme si on venait de kill quelqu'un et qu'on est resté à côté, donc on sait jamais. Ce qui peut se passer, je suis à combien d'eau? 81%, peut-être que je psychote, hein. Peut-être que je psychote aussi. Mais en vrai, ça me fait peur. On le tente. Ben voilà, ouais, c'est un signe. Je dis ça, et bim, il y a l'eau qui descend. En tous les cas, je suis obligé de retourner par là-bas pour boire, ça c'est sûr. Mais j'ai pas envie de remonter la rivière, ça va être et de un trop long, et de deux, il y a les allosaures par là-bas. Je pense qu'on est obligé de le tenter, mais... De toute façon, je fais tout le contraire de ce que je dis. Non, c'est pas ça un peu le délire, j'ai l'impression. On va voir dans quel état je vais arriver. Hein. Faut que je vise full ouest, mais vu qu'on n'a pas tout simplement l'odorat, on ne sait pas. Ah, c'est ça qui est un peu chiant avec l'Albertosaure. Vraiment, de ne pas pouvoir sentir, ça te met vraiment en PLS. Au début, je me suis dit, ouais, c'est pas très très grave de ne pas pouvoir sentir. Mais en fin de compte, oui, parce que ça te met dans la galère avec un dinosaure qui a tout le temps soif. Bref, je vais aller boire et je vais essayer de faire le chemin de nuit, du coup. Bon, bah finalement, voilà. Hein. Et finalement, bah, je me retrouve ici. À l'antenne. Comme ça, je suis sûr de trouver de l'eau, et si je connaissais le spot... Donc on trouve de l'eau ici. À bouffer, je sais pas, j'ai rien entendu cette nuit. Il y avait les dilos, mais temps de les chercher et tout, laisse tomber quoi. Donc ouais, la pluie elle nous a bien aidé. Hein. Parce qu'on a passé toute la nuit accroupi à venir ici. Au cas où il y avait quelque chose qui arrivait. Et du coup ça nous a fait bien gros je pense cette histoire, je sais pas, regardez. Je croyais, enfin j'espérais en venant ici trouver quelques juvets qui tentent de survivre, mais j'ai pas l'impression. Ouais, ça a hâte de pleuvoir en plus. Parfait, good timing. Niveau bouffe, je suis à combien? 70. Ok. Et niveau gros, 91. Putain, je regarde pas du tout les choses. Ok, c'est bon, toutes les infos sont prises, je suis à 100% eau, 70 bouffe, 91 grow. Évidemment, on va pouvoir descendre par là, hein. Twins Lake c'est là, du coup. Et là. Les dilos sont vers là, en dessous de moi. Je vais descendre par là, parce que bon, par là c'est un peu raide. Hein. Un peu raide. Je pense que le temps d'arriver à Twins Lake, je suis à 100%. Je pense bien, ouais. Par contre, il n'y avait vraiment personne ici, quoi. Non. Digging. Bon. Bah go aller ici hein. Oh mon Dieu.
Je l'ai entendu au dernier moment, quoi. Un accro. Oh. Putain, je l'ai pas entendu. Faut que je gère mon son là, ça va pas du tout. Hein. C'est trop bas, quoi. Ah, c'est clairement trop bas, je l'ai pas entendu arriver, quoi. Je regardais Twin Lake, d'un coup j'entends des sons. Et bim, je vois un truc qui fait 3 fois ma taille passer à côté de moi. Oh. Heureusement qu'il m'a pas attaqué, hein. Je sais qu'il me défonce. Il est 3 fois plus gros que moi. Je suis comme un. J'ai 2 tonnes 7. Ah mon dieu. Non, impossible, j'allais pas fight ce truc là. C'est plus rapide que moi. Ça a pas beaucoup de stam, mais moi non plus j'en ai pas beaucoup. C'est plus rapide à l'embuscade, ça fait plus de dégâts. Enfin. Non, là ce serait du suicide, hein, vraiment. Je pourrais essayer de me fight contre un truc comme ça quand je voudrais en finir, vraiment. Mais là, faut que j'essaie un truc de ma taille déjà, quoi. Ah ouais, non, tain, franchement, quoi. On est combien sur le serveur? 122. 122, en vrai, j'ai croisé 3 dinos, puis une heure et demie que je joue. C'est pas beaucoup, hein. Ah, je vois des gains, hein. Mon lieu. Ah, j'aimerais bien croiser des, je sais pas, des Dilo, des Utah, des Unalo, des Cerato, des trucs comme ça, quoi. Des Succo, pourquoi pas. Mais là, ouais, je vois personne, quoi. Mais où sont les gens? Ouais, je vais aller à l'autre, hein. Ok, il y a plein de bruit. Bon, là-bas il y a des gens. On va pas être amical. Hein. Ça c'est sympa, 100%. Là-bas il y a des dilos qui courent. Ah non, c'est pas un para, c'est un triceratops. Oh, mais je suis tellement nul au son, c'est dingue, hein, depuis le temps. Mais oui, là c'était un Maya du coup, ok. Là-bas il y a des allosaures. Là il y a un triceratops. Ok, un petit point de vue sur la situation. Je fais quand même pour 194, je suis pas full. Mais bon, je suis vraiment pas loin, quoi. Yo les bros. Tranquille. Tranquille. Ils ont pas l'air amicaux, hein. Bon, on va essayer de prendre le truc là-bas, du coup. On va voir ce que c'est. C'est un Maya qui est là-bas, ok. Faut que je le trouve, quoi. Est-ce qu'il y a un truc qui me suit là? Ok. Là il y avait un Maya par ici. Faudrait qu'il recrée un coup là. Est-ce que je l'attends en embuscade? Il va forcément passer par là.
Ou j'essaie de le chercher, mais. Tellement n'importe où quoi. Ok. Je sais pas trop comment faire pour choper un truc là. Ici je suis pas mal hein. C'est un point de passage ici. Faut juste que j'attende. À un moment donné il y en a forcément un qui va passer par là hein. Il y a un truc qui renifle pas loin de moi je crois. Ouais, c'est les dilos. Il y avait les dilos par là. Faut vraiment que j'essaie de faire une embuscade de ouf. Pour essayer d'en choper un. Faut bien que je check derrière moi qu'il n'y a rien qui arrive quoi par contre. S'il y en a un qui passe à côté de moi, je vous promets, je le détruis. Bon, c'est le triceratops, wesh. Hein. Ah, c'est bon, le triceratops, je commence à comprendre. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai trouvé une solution pour la marche automatique pour pas rester appuyé sur. Mais moi personnellement c'est Z. Pendant des heures, notamment quand il y a un Albertosaure. Je vous la montre comment on fait directement. Ouais, voilà. Lol. Ouais, c'est la marche auto made in Togmar. Comme on peut les gars. Pas trop ce qui se passe là-bas, il y a tout le monde qui est du même côté. Encore une fois, ils veulent pas de moi, c'est ça? Ouais, du coup, je me suis un peu fait cramer là. Ok, il y a un T-Rex qui est là. Qui est un peu refoulé par tout le monde aussi. J'ai l'impression. Pas super bien caché là, non? Mais qu'est-ce qui se trame là-bas? Au bout d'un moment, ils vont prendre pour un rocher. Ah, il s'est pris un coup. Ah bah il est mort. Ok, bah il s'est fait tuer. Super, le Triceratops. Bravo à toi.
Y a quoi là-bas là? C'est un truc mort, c'est un truc vivant? Je sais pas trop. Le truc c'est que les packs comme ça, tu peux rien faire quoi. Ah, c'est là que le serveur fait chier en fait. Genre, y'a des dilos qui sont potes avec un Triceratops quoi. C'est là que c'est un peu lourd en fait. Bon, du coup, ça c'est mort. Hein. C'est quoi ça? Encore un T-Rex? En vrai, les deux allosaures qui sont là, ils peuvent me déboîter. Hein. Et moi, je peux déboîter le Dilo qui est là, par contre. Il y a un chant aussi, wesh. J'aimerais bien me faire le Dilo qui est là-bas, mais putain, pour l'atteindre, quoi, c'est la merde. Hein. Non, moi je peux pas faire. Oh, y'a l'accro qui est là. Yo, l'accro! Ouais, par contre, si le gilo se ramène, je peux me le faire par là. Si le gilo se ramène par là, ouais, ça peut être pas mal. Il est où? Je suis beaucoup plus rapide que lui, hein, ça c'est sûr, en embuscade. Ouais, pourquoi je suis pas trop embusqué là? Je sais pas comment faire. Ils sont inatteignables. Je suis quand même bon 197, je suis bientôt full, hein. Carrément inatteignable quoi. J'ai toujours le pire timing. Je vais d'un côté, il se passe un truc de l'autre. C'est un truc de malade quand même. Chez moi ici, wesh. Qu'est-ce que tu veux, toi?
Ça y est, tu viens de battre? Bah rentre, un T-Rex, je suis pas... non. Wesh! Non! Ouais, c'est l'accro que j'avais croisé tout à l'heure, quoi. Aïe aïe aïe. Enfin, je pense, hein. Y a moyen, il était pas très loin. Mais ce qui est relou, c'est qu'à chaque fois, je suis seul contre des packs de. Contre des packs de tout le monde mélangé contre moi, quoi. Genre, c'est relou. Aïe aïe aïe. Ouais, bon, ben voilà, hein. Du coup, l'Alberto. Mort, quoi. Mort, mort, mort. Eh ouais, l'accro, il est hyper rapide. Du coup, j'ai pas pu le distancer après. Ben bref, bon, en gros, le problème, c'est sur ce serveur, c'est qu'à chaque fois, c'est un peu comme ce qui s'est passé dans l'épisode 2. Genre, quand tu arrives en dernier, tout le monde. T'es la cible en fait. Il y a des packs de malades, de tout mélanger, ça n'a aucun sens. Et du coup, quand tu arrives en dernier, c'est toi la cible. Et à Twins Lake, j'arrive toujours en dernier. Ben ouais, c'était un peu le but de toute façon. Hein. En vrai, l'Alberto, il m'a un peu saoulé, mine de rien. Donc voilà, c'est pas plus mal qu'il soit mort. Hein. Soyons francs. Soyons francs, on s'en est débarrassé. Enfin, prochain dinosaure, du coup. Ben vous verrez bien. Peut-être une petite idée, hein, je sais pas. Bref, les amis, cet Alberto a eu une trop longue vie. Il a pris trop de temps. Donc on s'en débarrasse. Allez, je vous dis à la prochaine. On se voit dans une autre vidéo. Ciao, guys!